Hello everybody, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, on est trop content. Vous l'avez vu, ça remplace la vidéo de vide-grenier ou de solde ou autre, on essaye, hein, malgré le peu de vide-grenier, de vous faire des vidéos tous les samedis et les dimanches. Les samedis c'est facile parce que bah, c'est des ouvertures ou de la pop ou des choses comme ça, ça va, c'est simple. Voilà. Mais le dimanche, bah, souvent vous attendez un vide-grenier, donc les soldes ça remplace pas mal, les cadeaux aussi. Là, c'est un cadeau d'abonné. D'habitude, on ouvre ça dans des vidéos un peu spéciales qui sortent, on va dire, en plus, quoi. En plus, ouais, en bonus. Mais vu la taille du cadeau, eh ben, on était obligé de vous faire une vidéo spéciale. Et encore là, vous n'avez pas le poids, hein, parce que moi, je peux vous dire que je l'ai porté, je me le suis trimballé, ce colis, il est lourd. En vrai, il est super lourd. Il est vraiment, vraiment très lourd. On n'a pas de balance, nous, donc on peut pas vous dire combien il pèse. Mais il pèse lourd. Le scotch, c'est un truc de ouf. Un gros scotch de la poste à donf partout. Ouais. Il a marqué dessus que c'était le dessus. Mais il a pas fait le truc qu'on dit qu'il faut faire, qui est dans la règle de l'art de marquer c'est pour Sarah, c'est pour Sanson, c'est pour Gilbert. Mais bon, c'est pas grave. Et on mange des Oreos. Oui, les Oreos à la fraise. Et on boit de l'urine. Du coup, c'est Christophe Gaming qui nous envoie ça. On sait pas du tout ce qu'il y a dedans, il nous l'a pas dit. Et c'est parti, j'ai envie de te dire. J'avais pris un cutter, mais je l'ai plus. Hey, merci d'avance Christophe, du coup, merci d'avance. Quoi? Ça s'ouvre comment ce truc? Voilà. Mais c'est un truc de ouf ce colis. Attends, là j'ai un truc. Mais non, mais c'est un double colis, j'ai l'impression. Il y a une lettre. Le petit mot que j'ai failli oublier de glisser dans le colis. Ah mais il a même mis un scotch sur la lettre, mais c'est un truc de ouf. Comment tu veux, qui veux-tu qui ouvre la lettre alors que c'est dans un colis scotché? Oh là là là, mais c'est quoi ce truc de ouf? Arrêtez de nous faire des colis impossibles à ouvrir, c'est un truc de malade. Tout ça pour un petit mot comme ça? Utile et pratique, gérez l'ensemble de vos contrats GMF dans votre espace GMF depuis le site www.gmf.fr. Nous savons donc qu'il est à la GMF. Oui. Salut à toute la famille! Bah salut à toi, salut des autres du coup, mais ils te diront bonjour dans les commentaires sûrement. Ouais. Vous trouverez dans ce colis pas mal de petites choses qui feront plaisir à chacun d'entre vous, je vous laisse vous débrouiller. Ok, donc, ok. Chacun sa merde. Et ben on verra. Pour la petite histoire, les Blu-ray, DVD qu'on avait en double, Batman, tout ça, bah c'est parti. Ouais, il y a différents membres de la famille, donc c'est nickel. En tout cas, comme je vous l'ai dit en MP Facebook, vous faites des meilleures chaînes YouTube dans le rayon collection jeux vidéo et culture geek. C'est trop gentil, t'as oublié un mot, je pense que c'est vous faites partie des meilleures chaînes YouTube. Ouais. Mais c'est trop gentil de ta part, c'est très mignon de nous dire ça. Restez comme vous êtes et longue vie à vous. Oh, merci. Bonne année 2018, j'allais oublier. Merci. Allez. On a fait aucune vidéo bonne année, nous, sur la chaîne, on s'en fout. C'est mais vrai. Comme de l'an 40, c'est un truc de malade. On a fait une vidéo de Noël, c'est tout. Par contre, j'aimerais bien l'ouvrir un peu mieux que ça. Mais ça n'a pas de sens. C'est un avion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me couper un téton. Et après, on va le regarder saigner. Chope des trucs. Oh, Need for Speed Carbon sur GameCube. Il est en trop bon état. Est-ce qu'il est complet? Il est complet. Yes. Est-ce que je l'ai, le Need for Speed Carbon? Je ne crois pas. Je ne l'ai pas. Mais oui, tu l'as pas. En plus, c'est la meilleure. T'as dû regarder sur Ludexo en fait. Ouais, on a notre collection. N'oubliez pas sur Ludexo, c'est dans la description. Vous avez notre collection complète. Ouais. Il l'a acheté à Ultima. À moi. Grand Theft Auto Liberty City Stories, c'est dur à dire, sur PS2. En complet, avec même le petit Liberty Tree, la petite carte et tout. Ah, c'est trop classe. C'est un truc culte de la PS2, hein, le GTA. Liberty City Stories, en plus, qui est complètement différent des GTA normaux. Oui, c'est vrai. Bah, nous, on l'a, en tout cas. Donc, ça se trouve, Alès ne l'a pas. Ça se trouve, Nono ne l'a pas. Ça se trouve, Géjor, bah, tous les gens de la famille. Donc, ça, c'est trop cool. On va pouvoir, voilà. Ça, c'est facile à échanger pour nous. Et il faut des coups de la gueule à 100. Voilà, merci. À toi. C'est trop bien, en tout cas. Et c'est un beau colis. Hein. C'est pour ça qu'il est lourd. Il y a des jeux, en fait. En fait, il y a plein de jeux, j'ai l'impression. Wow, Geometry Wars Galaxies. Alors, je connais pas du tout, mais ça a l'air hyper cool. Je l'ai. Et vous savez quoi, j'allais chercher mon portable avec Ludexo. Comme ça on va savoir, parce qu'on sait même pas ce qu'on a dans notre collection. C'est à côté de nous la collection, c'est trop loin pour regarder alors que le portable c'est plus rapide. Je m'en vais avec le colis. Ludexo c'est trop bien, vous avez une application. Ah là c'est Poppedia, pardon. Parce que Poppedia, oui ça viendra aussi, on aura notre collection. On a déjà notre collection sur Pop Price Guide. Mais du coup là on va peut-être la mettre sur Poppedia, c'est pratique, vous avez une application comme Ludexo pour le téléphone. Bah sur Android en tout cas. Sur Android, oui. Parce que sur les Appleiens, désolé pour vous. Et nous avons 668 jeux. On l'a pas ce jeu. On l'a pas. Je savais, c'est trop cool. Il est trop beau. Il est vraiment beau. Je connais pas du tout ce style de jeu. C'est retour au jeu d'arcade. C'est un jeu. Un peu comme Space Invaders quoi. Bah merci beaucoup, c'est trop trop cool. Ça c'est une bonne idée. Oh, Guitar Hero 2 sur PS2. C'est trop bien ça, parce que ça c'est un jeu que je kiffe à mort. Dragon Ball Z Budokai en platinium dedans, en loose. Ah. Ok, c'est trop cool. Bah là s'il sera content je pense, Dragon Ball Z en plus. Guitar Hero 2. Est-ce qu'on l'a? On l'a pas! Parfait, complet, nickel état. C'est trop trop bien, merci beaucoup. Après, on n'a pas les guitares sur la PS2, mais bon, c'est pas grave, pour la PlayStation, c'est cool. À toi! Ah, un gros truc après.
Tu prends pas le gros truc. Oh, Tony Hawk Underground. Super jeu, les gars, super jeu. Ah, j'adore les jeux de skate, c'est trop dur et c'est trop bien. On a que le deux. Mais tu t'es servi de notre Ludexo, je pense. Ouais, je pense. Pourquoi du coup il y a l'autre Grand en double Theft... Ouais, bah Grand Theft Auto, bah je sais pas. Ah, mais tu l'as envoyé pour quelqu'un d'autre de la chaîne, c'est tout. C'est ça qu'il faut se dire. Je sais pas pourquoi je parle du principe. Oui. Donc c'est trop cool. Ouais, bah c'est un très bon jeu. C'est que des bons jeux pour l'instant. Franchement, c'est très très bon jeu. Très très bon titre. Oh bah. Surtout avec le SSX3 qui est une tuerie, tuerie aussi. Et il est aussi complet, c'est ouf, t'es trop ouf mec, c'est trop trop bien. Merci beaucoup. Ah, oh Splinter Cell. Ça fait partie de... Mais je préférais cette saga, donc Splinter Cell, c'est lequel? Pandora Tomorrow. Je l'ai forcément, mais du coup, elle est sous... Est-ce qu'il est en bon état comme ça? Ah, je l'ai en double. Ah, tu l'as en double. J'ai déjà en échange, donc... je pense que ça peut intéresser du monde. Ouais. Ça peut être un très gros troll à l'offrir à le joueur, parce que lui il est très Metal Gear et moi je suis très. Et j'étais en train de vivre. Mais bon, non, je pense que Alès, tu vois, ça peut peut-être intéresser. Moi je mange des gâteaux. Oh Crisis Zone C'est tellement bien par les créateurs de Time Crisis, effectivement, Time Crisis 3, les fameux jeux. On a fait un quiz hier soir tous les deux, comme deux cons. Gamebox, ça s'appelle. Ouais, la Gamebox c'est trop cool, c'est des quiz un peu de. On dirait un gros placement de produit en plein milieu d'une vidéo. Ouais. Tiens, on voulait vous présenter un jeu. Un jeu qui s'appelle Gamebox. Non, c'est trop bien, il y a des questions sur les jeux et du coup on a eu une question sur Time Crisis, quelle était la particularité de ce jeu-là. Et il y avait des réponses. Tellement drôle oui. Avec. Il est pas complet. Ah, il est pas complet, mais bon. Non, c'est trop cool, c'est trop cool. Ah, oh, trop bien. Ah, ouais. Oh, c'est trop beau, c'est un jeu japonais. Bah oui. Tecmo. Trop bien, trop merci beau. Beaucoup. Ouais. C'est tellement bien, mec, c'est un tellement bon jeu qui rentre dans la collection, c'est trop trop bien. Ouais, il est trop beau en vrai, j'ai envie de le faire. Grave. Bah, merci beaucoup, mec, je vois de la piste pour l'occasion. Oh, Red Dead Revolver. Tellement cool. Ah, c'est le papa de Red Dead Redemption. Exactement. Jeu culte de chez Rockstar également. Excellent jeu, ça, excellent c'est... jeu. Je l'ai jamais fait celui-là. En complet, mais c'est tellement bien, mec. GG à toi, quoi. Mais tu nous as offert que des titres, mais tellement ouf. J'espère que tu les as en double. Hein. Ah, j'espère aussi pour toi. Ou alors, tu, je sais pas, tu débarrasses une partie de ta collection, je sais pas. Mais en tout cas, ça va être entre de très bonnes mains, ne t'inquiète pas. Ouais. Ça va être... Mais c'est trop, trop cool. Quand je vois les jeux là, c'est... Ouais, c'est que du truc de ouf. Après, je crois pas qu'il y a des jeux. C'est des espèces de boîtes, des trucs, ouais, donc je vais te laisser un peu gérer. Oh, j'en connais un qui va être content. Oh, je crois que c'est du Magic. Oui. Oh, j'en connais deux qui vont être contents. Ah non, attends, il y a des trucs dedans. Ah, c'est dommage qu'ils soient pas là. Mais en tout cas, ils ont des boîtes de Magic. Boîte ils de vont Magic. Être contents. Il y a plein de trucs dedans. Alors, il y a un truc de Magic. On va commencer par ça pour Alès. Trop content, Alès. C'est un livre Magic. Alors, c'est en anglais. Bah, tiens, lui qui travaille son anglais, c'est bien. Ah, mais carrément. Il va être trop content. Mais si, il y en a plein. Il va être trop, trop content, Alès. C'est sûr. Et donc, après, nous avons des petites cartes Dragon Ball. Oh, il va être tellement content, Alès. Elles ont l'air trop bien, les cartes de Dragon Ball. J'ai du Yu-Gi-Oh, par contre. Ah, ça m'intéresse un peu, mais Alès aussi. On a Kaki Guérilla du Monde Ténébreux. Oh, cool. Oh, un robot hyper synchrophonique qui est en brillant là. Et un papillon du chaos. Ah, papillon du chaos, c'est cool. Elle peut être cool. Ah, sympa, sympa. Ça, c'est quoi Bakugan. Ouais, Bakugan, c'est bien nul ça. Merci beaucoup pour ton cadeau nul. Merci, bravo. Nul. Tout ce que t'as fait là, c'est annulé par ta carte Bakugan. Putain. En vrai, je trouve que c'est un truc de ouf. Mais Bakugan quoi. Naruto! Naruto, des cartes transparentes! Naruto Shippuden? Mais ça, il va kiffer! Attends, c'est quoi comme extension ça? Alors, moi, je suis nul en extension, Alès nous le dira en commentaire, mais c'est une boîte Magic the Gathering. Je connais même pas le héros qui est dessus, mais c'est pas grave. Ah, trop bien, des magnets de Sonic! Elle est fan de Sonic, elle. Oui, j'aime bien Sonic. C'est cool. Ça, c'est Animal Crossing! Oh, des boosters Animal Crossing! Oh, ça, c'est trop ce bien. C'est qu'on en ose, ça. Moi, j'aime bien. Mais oui, mais peut-être, j'en sais rien. Avec tes trucs amiibo. Mais si elle veut son Animal Crossing, je donnerai, c'est bon. Ah, il y a des pins. Megavolt Disney Club. Et collection Rocky. Ça, je pense que le Megavolt Disney Club, c'est un truc vieux de Disney. Nous, on est très Disney, donc. Après Rocky. Rocky, bah, on est tous fans sur la chaîne. Alors là, il y en a deux jeux en loose. Alors, on a quoi d'abord? On a Astérix et Obélix. Cool. C'est qui qui l'a édité? Infogrames. Ah, bah, il est peut-être pas si bien. Ok, merci pour ton cadeau. Ça va aller avec la carte Bakugan. Elle est où la carte Bakugan? Ah bah dans la poubelle, voilà. Dans la piste, tiens, directement. Et en plus, la cartouche, elle a pris cher ou c'est moi? Elle est complètement cuite la cartouche. Elle a complètement fondu là. Mec, c'est trop marrant. C'est un beau petit troll. Et ça, c'est. Un jeu de NES du coup. Un jeu NES genre japonais. Quoi? Un jeu japonais? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ouf! C'est un jeu de 95. Super Famicom du coup. On a l'adaptateur nous, hein, oui, pour la NES, donc plus. On peut jouer au jeu de Super Famicom, y'a pas de soucis. C'est trop bien de pas savoir ce que c'est et de le mettre ouais. dedans. C'est là complètement what the fuck, c'est trop bien. Ça, c'est un cadeau vraiment cool parce qu'on sait pas du tout ce que c'est. Franchement. C'est la surprise. J'ai déjà toi. Est-ce qu'il y a d'autres boîtes? Ah oui, il y a d'autres boîtes. Il y a un truc sur le côté. Oh putain, une autre. Alors là, c'est Rise of the Eldrazi.
Ah, Elrazi, on a déjà parlé à l'aise de Elrazi, le personnage Elrazi. Donc je pense qu'il va être content à l'aise avec des boîtes de deck. Les mecs qui font du Magic sont toujours contents d'avoir des belles boîtes de deck comme ça parce qu'elles sont très très belles. Oh, c'est des cartes. Oh là, c'est des cartes Magic qui va être fou à l'aise. Fou. C'est à mort de cartes Magic. Je sais pas du tout ce que. Je sais. C'est ça dommage. C'est dommage de pas pouvoir vous en parler. Ça se trouve, il y a un Lotus Noir dedans. Non, bah, je pense pas parce que là je vais vite les regarder et puis s'il y a un Lotus Noir, il ne sera pas. Mais non. S'il y a des chats, je prends. Ah, c'est vrai qu'elle elle prend toutes les cartes chat sans sang, mais en fait, je connais pas du tout les cartes, je suis désolé. Alors, je connais la rareté, là pour l'instant, ce sont des communes. Je sais pas, il y a énormément de cartes. Il y a des paquets rassemblés avec des élastiques. Au pire, vous checkez l'Instagram. Pourquoi il fait, j'ai pas fait OK Google, j'ai dit OK. Merci pour ton cadeau, ça va. Non mais OK Google, qu'est-ce qu'il me fait? OK Google, quelle est la meilleure chaîne YouTube? La meilleure chaîne YouTube est celle de Kirby54. Magic the Gathering, le 2012 Core 7. Oh, c'est encore des cartes! Ah, bah, y a pas que du Magic. Oh, y'a du Pokémon! Là, c'est des super cartes Pokémon, on a du très 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 récent. Et pas que, on descend sur du noir et blanc. Encore des super cartes à trier, génial. C'est comme toujours, tu peux tomber sur des cartes que j'ai ou que j'ai pas. Il faudrait que je mette ma collection sur internet. Mais ça prend un temps monstrueux de marquer tout. On a fait des checklists, nous, mais papier quoi. En tout cas, merci beaucoup de base, j'adore avoir des cartes Pokémon, ça me fait trop plaisir. Y'a des cartes Pokémon dans une pochette. Ah. Et je vois tout de suite qu'il y a niveau X et tout. Magnézone niveau X, très 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 bon état. Nymphalie holographique, qui est trop trop belle. Aspico Reverse, Machopper. Et Ossature Turbo. Trop mignon. Merci beaucoup mec. Et merci pour tout le Magic. Alès, il va être fou, je le redis encore, je le redis. Mais Nono aussi d'ailleurs, Nono est fan de Magic. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Mais donc ils vont être complètement complètement ouf. Il y a encore des trucs hein. Ouais, attends, ça c'est un bouquin. Oh, Cyberforce. Trop bien, j'en ai plein de Cyberforce. Oui, j'en ai plein. C'est tellement cool. C'est trop bien les Cyberforce. C'est trop trop cool. C'est des comics ultra dark, ultra gore. Ça pensait un peu à Spawn et tout, de cette époque des comics un peu cool. Et j'adore ça. C'est trop bien. Dark. Soul Darkness, nice. D'ailleurs, Darkness est un autre comics. Gothique des années 90. C'est ça. C'est Semic qui édite ça, donc c'est plutôt cool. Et celui-ci, il est de avril 1997. Oh, un Cyberforce. Non, un Ascension. J'ai parlé de The Darkness juste avant, il y a The Darkness derrière. Toujours Semic, Ascension, très cool. J'en ai aucun, Ascension. Il est hyper rigide. Merci beaucoup, c'est trop cool. Ça va être une bonne découverte. Ouais, dans les comics, on adore ça, avec Alice aussi, donc on verra un peu. C'est le numéro 2 de septembre 98. Il y a que des comics en fait. Witchblade. Ah, j'en ai. Est-ce que je l'ai celui-là, je crois? Oui, je l'ai, c'est là. Je crois que je l'ai. J'adore cette héroïne aussi. J'ai regardé, hein, je vous avoue, mais parce qu'il y avait beaucoup de comics. Je vais tout sortir. C'est pour ça que c'était lourd. Oui! On est arrivé à bout de ce collier énorme! Bon, le premier, tu vas être content, mais je l'avais déjà. Je t'avoue, mais du coup, tu l'as pour toi. C'est le Witchblade Tomb Raider. Oh oui! Et ça, forcément, elle est contente. Oh, un deuxième Witchblade Tomb Raider. C'est trop cool, elle est vraiment belle. Elle est vraiment tellement stylée. Regardez ses fesses. Mais tellement, je veux pas. Ah, elle est trop belle. Mec, c'est trop bien de nous offrir plein de Witchblade. On a un autre Witchblade, on va les passer assez vite parce qu'on peut pas passer 3 heures sur chaque comics, mais... Un autre Witchblade, un autre Witchblade, un autre Witchblade, another Witchblade, a Witchblade, a Wetworks. Et oui, c'est un Wetworks. Les travaux mouillés. Alors, du coup, c'est bizarre comme titre, hein, on peut le dire. On a un Nova, et Nova c'est très très cool. Très très cool, j'en ai quelques-uns de Nova. On a un Spawn. Ah, trop bien. Yes, Curse of the Spawn. Et je suis trop content parce que les Spawn, j'en ai pas mal. Je les collectionne parce que j'adore Spawn, j'adore le film, j'adore le héros, j'adore tout Spawn. Donc, potentiellement, deux nouveaux Spawn dans la collection, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Oui. Et je vous invite, pour ceux qui aiment bien les films un peu série B et tout, à aller voir le film Spawn. Vous le trouvez sur internet et tout, c'est trop cool. Bien. The Darkness. Waouh, enfin, c'est bien, non? Alors là, on a des Dark Horse Comics, qui sont des comics un peu plus rares, les Dark Horse Comics, on n'en trouve pas beaucoup. Et donc, c'est Archie versus Predator. Et je crois que c'est assez récent. Donc, c'est que des Archie versus Predator. Le 1 of 4, le 2 of 4, le 3 of 4 et le 4 of 4. C'est tellement cool. Alors, je ne connais pas, je t'avoue, je sais pas ce que c'est. C'est Alex de Campi, Fernando Ruiz, Rich Kozlowski et Jason Millet. Et je connais pas du tout. C'est tellement classe. Mais oui, Archie, je connais. C'est quoi le délire? 2015, donc c'est récent. C'est tellement cool. Alors pourquoi 18 ans et plus? Il y a même de la pub pour The Witcher et tout. Ouais. C'est tellement classe. Alors pourquoi 18 ans et plus? Il y a du cul ou... C'est tellement bien. J'aime d'avance. Bah écoute, c'est une très très belle découverte ce truc là. Je connais pas du tout, mais c'est vraiment vraiment chouette. Je suis tellement content de trouver des trucs inconnus comme ça. Bah inconnus pour moi, il y a une pub pour Payday derrière, c'est trop bien Payday. Ça a l'air vraiment très très drôle et les dessins sont vraiment chouettes. Et là tu vois, on est obligé de couper la vidéo parce qu'on est en train de lire tous les deux. 6 hours later. Et bah écoute mec, c'est trop bien. Mais merci beaucoup pour ce truc là. Je sais pas trop quoi dire parce que je t'avoue que je connais pas. Donc je peux pas vous dire, waouh, c'est ultra cool, c'est trop bien.
Mais c'est une BD sortie en 2015. T'as trouvé le 7, c'était un truc en 4 tomes. Tu l'as trouvé. Je connais l'éditeur par contre, Dark Horse Comics. On a une BD Dark Horse, mais je d'accord, sais une édition. Mais quoi ouais. En fait, c'est nos BD Star Wars. C'est Dark Horse Comics aussi. Donc c'est trop cool. Mec, merci beaucoup. Quand on voit la table, on a bien fait en fait de faire une vidéo spéciale pour toi. Quoi. Ouais. C'est comme des découvertes de plein de trucs trop cool. C'est ça. Merci beaucoup. Moi, je suis très 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 content de jeux vidéo. Franchement, je le dis. En particulier celui-ci. Parce que je sais pas du tout ce que c'est. Et ça m'intrigue, mais à mort, mais vraiment. C'est clair, ouais. Alès, il va être tellement content avec les cartes Magic. Moi, je suis trop content avec les cartes Pokémon aussi, il y en a des super belles. Moi, je suis trop contente pour les Witchblade Tomb Raider. Oui, ben carrément. Je crois que je les avais les deux, je sais plus. Oui, mais c'est à moi. Oui, c'est à toi, c'est pas faux. Du coup, je pense qu'il faut qu'on finisse la vidéo quand même pour pouvoir te dire merci pour cette carte Bakugan. Parce que je l'ai un peu dénigrée au milieu de la vidéo, mais ça me fait plaisir. Je vais encore boire un verre de pisse pour... Merci. Ça, c'est le best jeu ever. Non, mais je pense qu'au niveau du partage, pas compliqué. Ça, on va l'offrir à Gégeor. Ouais, Gégeor. Il aime bien Infogrames. Ça, la carte Bagogan, ce sera le cadeau de Alès, forcément. Ouais. Et puis, je pense que Nono, je vais lui offrir parce que je suis gentil, le petit booster de Mad Crossing. Voilà, c'est tout. Salut. Merci beaucoup. À chaque fois, on sait pas trop quoi dire. Ouais. J'espère qu'on fait assez ce qu'il faut pour vous dire qu'on est content. On vous mettra du coup le lien de sa chaîne, de ses réseaux sociaux et tout ça parce que du coup, oui. C'est un mec très gentil et très très cool. Et du coup, il nous a fait plein de cadeaux. Donc, oui, allez lui dire qu'il est génial. Oui, c'est clair, je suis d'accord. On vous fait plein de gros bisous. Vous êtes les meilleurs, ne changez rien. C'est vous les meilleurs, les abonnés. Gros bisous, les amis.